J'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui une vidéo assez rigolo. Vous allez autant rigoler que moi, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre Coach Amanchi, vous allez vous rendre compte que il y a lors d'un live un gars qui avait appelé. Il a dit qu'il est musulman, qu'il a fait la connaissance d'une belle demoiselle, d'une jolie go. Mais le seul problème, c'est que la go veut qu'il fasse la CAF. Mais étant musulman, il a expliqué à Coach Amanchi qu'il n'a jamais fait ce genre de choses. Il aime bien la go, mais il n'a pas envie de faire la CAF. Donc, c'était ça son problème. Il est musulman, il n'a jamais fait la cave. Il a rencontré la go et il y a mort la go. C'est-à-dire, il aime la fille. Mais il ne peut pas caver. Vous voyez un peu. Voilà que, voilà, Coach Amanchi lui a donné un conseil en lui disant que si réellement tu aimes la fille, il va falloir que tu broutes, mon frère. Si tu aimes vraiment la fille, il va falloir que tu broutes. Apparemment, les gars, il a suivi le conseil de Coach Amanchi. Donc, il allait brouter copieusement sa go. Il a mis enceinte. Et puis, il appelle Coach Amanchi pour donner des nouvelles. Les gars, je ne veux pas parler à sa place. Écoutez sa conversation avec Coach Amanchi. On va se dire tout à l'heure pour la conclusion. À tout de suite. Allô, coach? Oui. Je vais vous poser une question, coach. Ça vous pose une question? Oui, coach. Oui. Coach, go là, j'ai un peu ça. Quelle chose ça? Ah, coach. Pourquoi tu dis que moi, là-bas, avec elle, là, qu'elle a foi, qu'elle s'est autorisée là? Quelle a fait quoi? Allez, coach. J'ai un peu ça, coach. Il sait. Oui, mais tu as battu. Allez, Tu as battu. Tu as battu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Je suis au Azerbaïdjan. Il s'agit de quoi? tu te rappelles, moi, je t'avais bossé un jour. J'ai dit, ah, il y a une go là, non? Elle dit que, oh, tu vois, non? Ah. On a d'abord. On a d'abord, oh, là, tu dis non, si c'est d'abord là, ça fait rien. Ah, c'est toi qui as jamais là? Tu es chauffeur de taxi là? Non, je ne suis pas chauffeur de taxi. Les taximètres là, elles, elles sont nous petits. Moi, je suis un bagarreur. Tu es un guacamole, mais chauffeur de guacamole et chauffeur de taxi, c'est quoi la différence? Non, la différence est que nous, on a plus de jetons que les taximètres. Ah. Donc, tu vois, le gauche. Oui. Mais c'est quelle fille que tu as laissée même? Et puis bon, je ne me rappelle plus. La fille, elle avait fait quoi? Non, moi, elle dit, j'ai damé sur elle. Toi, tu dis, non, faut pas damer sur elle. Tu dis, pourquoi j'ai damé sur elle? Moi, elle t'explique que non, moi, j'ai damé sur elle, non. Parce qu'elle veut que moi, elle a qu'à d'avoir son prétou, tu vois. Ah, oui. C'est toi, ta chérie, t'as dit, faut descendre à la cave, tu dis, tu peux jamais faire ça là. Voilà, c'est moi, coach. Mais est-ce moi, elle t'a dit, est-ce moi, elle t'a dit de laisser la fille là? Est-ce moi, elle t'a dit de laisser la fille là? Il dit, Non, tu m'as dit de ne pas laisser, voilà pourquoi je n'ai pas laissé. Maintenant, elle est en quoi, tu vois, non? donc, ça veut dire que. Bientôt. Voilà. Et puis, non, coach, Nena, la bébé, là, si ces femmes-là, moi, j'ai donné ton nom. Tu as donné mon nom. Oui, coach. Si bébé, là, ces femmes-là seulement, là, j'ai donné ton nom. Donc, ça veut dire que je t'ai dit de descendre à la table là. Tu as mangé son patou là? Coach, tu as dit, faut pas, je vais aller violer, oh, faut pas, je vais aller. Tu vois, non? Il faut aller doucement, doucement. Donc, moi aussi. Coach, je tabasse ça même comme il faut. Tu as d'abord ça? Ah, coach, non, je te dis, coach, toi, non, coach, il n'y a pas ton dé. Quand tu Oui. conseilles l'homme là, s'il n'a pas accepté ton conseil là, la personne tape poteau. Oui. Maintenant, tu as mangé le Si je patou. t'avais pas écouté là, aujourd'hui là, non, c'est moi qui étais perdant. Oui. Donc, ça veut dire que tu as mangé le patou de la petite. Aujourd'hui, elle est enceinte. Non, coach, je tabasse ça propre, même coach. Pour même pas parler ça doucement, doucement. Je tabasse ça propre. Tu as vu que Voilà. tu voulais pas d'abord là. Tu as vu qu'aujourd'hui tu es en train de découvrir une autre sensation. Tu as vu ce que ça. Tu as vu comment c'est bon? Je dis, coach, ça là, il ne faut même pas parler. Les autres vont comprendre ça. Parce qu'ils vont prendre plaisir. Ça, le plaisir qui est dedans là, il n'y a pas l'homme même. Il n'y a pas garçon. Ah. Ah, moi, je comprends maintenant pourquoi tu dis donnant, donner là. Oui. Donner. Donc ça veut dire qu'elle est enceinte aujourd'hui. Moi là, elle d'abord, est-ce que c'est pas doux? Je t'ai répondu, j'ai dit oui, c'est doux, mais moi, c'est un islamatron. Tu dis que non. Faut quitter dans ça là. Pas Oui. dedans, pas même, tu viendras me dire. Eh bien, non, c'est propre, coach. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est enceinte. Coach, Oui. si ces filles-là, non, moi, j'ai donné ton nom. Y a pas, même ton papa, même peut pas m'empêcher de donner ton nom. Si c'est une fille seulement. Mais là, si son garçon là, si ce garçon là, c'est elle qui va choisir. Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Oh, mon caviar. Tu es adorable. Tu es perspicace, Nina, le je te Congolais. promets ça.
Je te promets, Nena là, je te promets ça, coach. Ça, il n'y a même pas l'homme qui t'a enlevé ton nom. Si t'es une fille tellement là, voilà. Et puis non. Oui. Maintenant là, non. Parce qu'avant là, quand tu es venu là, non, j'ai pas voulu trop, tu vois, non. Oui. Et mon lit là, elle ne veut pas me laisser te voir, tu vois. Oui. Mais maintenant là, quand tu vas venir là, Nena là, même si Ado descend, mais moi, elle te voit. Hein? T'as vu les choses comme ça? Il n'y a pas l'homme qui va barrer la route entre toi et moi encore. Athée, Nena là, même Ado même. Mais je me suis retrouvé où? Dans la politique, finalement. Oui. Non, je ne peux pas vous dire, coach, mais ça là, c'est pour dire que c'est lui qui est le baba, qui est de sécurité à Côte d'Ivoire, non, tu vois, non. Oui. Donc, ça dit que toutes tes sécurités là, même là, ils seront bien devant moi, Nena là, et puis ils sauteront, puis ils serrent ta main, et puis ils retournent. Non, mais franchement. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Oui, je suis franchement dans... Ah, mais vraiment, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc vraiment, vraiment, mes félicitations pour la grossesse. Non, merci coach, voilà, oui. Merci beaucoup coach, oui. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Oh non, mais tu es perspicace mon caviar. Je salue tous les chauffeurs de Baka d'Adjamé. Les venimés là, ils sont contents. Quand il a dit bonjour là, ils sont contents, Nena là. Tu as vu les choses comme ça? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai vu des gens dire en commentaire que c'est une scène montée, que c'est en fait, que c'est en tout cas, Coach Amonchi s'est entendu avec le garçon pour que le garçon appelle dans son live. Et s'il faut arranger tous les appels que Coach Amonchi reçoit dans son live, dans son direct de chaque vendredi. Elle n'aura même pas le temps pour dormir, pour siester, pour manger et tout ça. Donc arrêtez ça. Voilà un jeune garçon qui est venu prendre des conseils chez Coach Amon Chic pour savoir s'il peut caver sa go. Coach Amon Chic a dit, si tu y as mon lago, il faut caver. Le gars est parti caver, il a mis enceinte et puis il a dit qu'il va donner le nom de Coach Amon Chic à son enfant. Si c'est une fille, si c'est un garçon, c'est sa go qui va décider. Ouais, coup monter là-dedans. Bref, ce que je comprends dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que la go n'a pas demandé à son gars de caver pour rien. Mm-hmm. Elle n'a pas demandé à son gars de brouter pour rien. Si le gars a brouté qu'il a aimé, ça veut dire que c'est un go qui est d'abord propre de base. Par exemple, pour convaincre un musulman qui a ses principes, qui dit jamais, comme je suis musulman et que je respecte ma religion, je ne peux pas caver, je ne peux pas faire ce genre de choses. Réussir à convaincre ce genre de personne, mon cher, ça veut dire que la go, c'est-à-dire que son pétou est propre et clean. Vous voyez un peu? Donc, si le gars a changé d'avis là, s'il a pris la décision d'aller en bas, c'est parce que la go l'a convaincu. Voilà. Donc, on dit souvent que il y a les filles qui aiment ça. Parfois, il y a des filles qui aiment ça. Mais quand tu descends en bas là-bas, ça dit ça sent escargot qui a moisi dans sa coquille. Vous-même, vous pouvez imaginer l'odeur de ça. Poisson pourri. Quand le gars est descendu, il a aimé. Donc, comme pour dire qu'il appelle Coach Amon Chic pour la remercier tout simplement. Et Coach Amon Chic pouvait également dire, bon, t'es musulman, il faut respecter tes principes et laisse la go tomber. Abandonne-la. Si elle veut automatiquement que tu descendes en bas, il faut la laisser tomber. Mais Coach Amon Chic a dit, écoute ton cœur. Le gars, il a écouté son cœur et il vient témoigner en retour. Il remercie Coach Amon Chic. Donc, les filles qui aiment la cave là, quand vous aimez qu'on vienne désherber avec les dents là, il faut vous rassurer que ça ne sent pas poisson pourri. Rassurez-vous que ça ne sent pas escargot qui a moisi dans sa coquille. C'est très important. Voilà. Parce que les garçons l'associent enfant de quelqu'un. En bon entendeur, salut. Bon, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Pour toutes celles qui sont intéressées par la chic perruque de Mélissa Sanchez, vous passez juste la commande au numéro WhatsApp qui s'affiche autant pour moi, juste au-dessus de ma tête, comme d'habitude. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, partagez la vidéo au maximum. Sur ce, ciao, ciao.